L'Olympique de Marseille s'incline à domicile face au RC Lens sur la plus petite des marges, un but à 0. L'OM recevait le RC Lens pour ce choc du samedi. Deux équipes qui voulaient à tout prix s'imposer pour le podium. Voilà, deux équipes qui jouaient ce match pour le podium. Et voilà, du coup, c'était un match vraiment à gros enjeu pour chacune des deux équipes. Et c'est au final le RC Lens qui ressort vainqueur de ce gros match. Mais en vrai, Marseille, ils peuvent avoir des regrets parce que Marseille a beaucoup dominé, notamment en première période, où ce sont eux qui ont eu les véritables occasions. Voilà, Lens, eux, ont eu quelques petites occasions, mais voilà, en vrai, ça aurait été peut-être plus juste qu'il y ait un match nul ou voire une victoire de Marseille. Mais voilà, après, Lens a eu ses occasions, ont été plus tranchants devant le but. Donc, félicitations à Lens pour ça. Après leur victoire face à Montpellier, Lens enchaîne au Vélodrome. Et par contre, Marseille, c'est plus compliqué, qui enchaîne une troisième défaite consécutive après Ajaccio, Paris, Lens. Voilà. Et surtout, Marseille qui joue mercredi ou mardi en Ligue des Champions. Donc attention à eux, moralement, ne pas trop baisser. Surtout que Marseille avait super bien commencé le championnat. Et là, Marseille qui se retrouve derrière Lens, Lorient, sachant qu'il y a des équipes qui n'ont pas joué comme Monaco qui peuvent coller Marseille. Donc là, Marseille, ils vont vite se retrouver sous pression. Donc attention également aux Marseillais. Au niveau des stats, Marseille a eu la possession. Marseille ont fait un tir de plus que Lens. Et au niveau des tirs cadrés, par contre, Lens ont eu plus de tirs cadrés. Après, en première période, l'OM largement dominé sur en occasion, possession, tout ça. En seconde période, c'est plus équilibré, il y a eu moins d'occasions. Voilà, au final, ce sera Lens qui va marquer sur une super frappe de Costa, magnifique, qui va permettre à la 81e minute de jeu à Lens de repasser, de passer donc devant dans le match. Et après ça, il y aura plus de buts. Et du coup, voilà, Lens fait un super résultat au Vélodrome. Donc félicitations à Lens. C'est un peu plus compliqué pour les Marseillais. Voilà, en espérant pour eux qu'ils s'y remettent en Ligue des Champions. Parce que voilà, là, ça va être important pour la victoire. Parce que s'ils commencent à, en Ligue 1, faire des résultats un peu plus moyens, et en Ligue des Champions, s'il n'y a pas la qualification, au moins en Ligue Europa, là, ce serait très compliqué pour eux aussi. Donc voilà, voir comment vont réagir Marseille en Ligue des Champions. Et Lens qui continue sur leur belle lancée et qui devient provisoirement deuxième du championnat. En tout cas, si ce débrief vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner avec la petite cloche. C'était Natas, moi je vous dis ciao.